Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur la chaîne. Ce soir, avant de repartir sur Dot Hack, je vous propose la découverte de Genopanic, un petit jeu qui serait, semblerait-il, un mix entre du Metroidvania et de l'Action Adventure. Il se précise pas comme un Metroidvania, mais on va voir ce que ça va donner. C'est développé par Mobirate, ça sort demain, le 17 mai, aujourd'hui pour ceux qui regarderont la rediffusion. Un petit jeu à 20 balles, environ 5 heures je crois, d'aventure pour le boucler. Et un jeu dans lequel vous pouvez avoir plusieurs fins. C'est un truc sans grande prétention, du pixel art, mais bon, les Metroidvania, j'aime bien. Et j'aime donner sa chance à ce genre de jeu. Bref, c'est parti. Et bonsoir Mikami, c'est l'arc Az, Kendoza. Comment ça va? Zelda, c'est pas tout de suite, Az. Ce sera quand j'aurai terminé Dot Hack, ce qui ne saurait tarder. Bonsoir Audi, comment ça va? Bah, je vais faire un Zelda très certainement, oui. C'est pas encore absolument définitif, mais il y a de grandes chances. Donc ça se passe sur une station orbitale. Hein. Bonjour, je m'appelle Lake. On va dire ça comme ça, Lake. Je suis votre assistant virtuel. Et tu n'es qu'une boîte en fer avec un réseau neuronal d'apprentissage. Donc je vais devoir t'aider. Votre mission est de ramasser et livrer la cargaison spéciale. Pourquoi tu me tutoies et tu me vouvoies d'une phrase à l'autre en fait ? Détail, OGM, organismes génétiquement modifiés expérimentaux développés illégalement à la station Simbirsk. La station spatiale est située sous la surface du planétoïde habité Trieste 2b. Activité, collecte et analyse d'organismes vivants d'espèces d'OGM rares et uniques. Le séjour sur Simbirsk est temporairement limité. La station a déclaré une quarantaine. Cible, récupérer des OGM pour le transport vers le vaisseau gouvernemental Soyuz 1. Destination planétoïde Trieste 2B, Astroport Karato. Le rapide que la lumière, plus sûr que la gravité. C'est moi. À l'œuvre, boîte de conserve. Ouais, moi de toute façon le prochain Assassin's Creed, je vais le prendre. Hein. Je les prends toujours. Je suis jamais réellement déçu en fait par les Assassin's Creed parce que j'aime bien les univers dans lesquels. Bah, tu arpentes, quoi. Bienvenue à l'Astroport Karato. Vegeta! Salut Marvel, comment ça va? Alors, c'est quel bouton sur PS? C'est pas ça. Carte. Ok. Le monde gravité ne semble pas fonctionner. Ah, j'ai découvert un passage secret. Piratage du système. C'est un système de contrôle de gravité lift. Piratez-le. Déplacez le pointeur dans les ports pour sortie. Le temps de piratage est limité. Je suis sorti. Ok, j'ai compris. Oh purée. Oh, je deviens intelligent là. Salut Mona, comment ça va?
Le globule bleu, c'est moi. Nous serons bientôt à la station. Ce que j'aime bien dans ce genre de jeu, généralement, c'est le sound design. On va voir quand on va shooter. Parce qu'évidemment, vous l'aurez compris, hein, il y aura des méchants pas beaux. On aura des armes de corps à corps, au moins une en tout cas. Pareil pour les piou-piou. Et du lance-flammes. Imagine, il n'y a pas de bruit de pas. Ça existe les jeux où il n'y a pas de bruit de pas? Nous y voilà, maintenant on court vers le vivarium. Je peux m'aplatir. Hein? Les petits trèfles. C'est quoi ça? C'est Jupiter? Ou c'est les Daft Punk? Oula. Mais il fait des trous partout, lui. Bonne chance, perdant. Je vais enfin sortir d'ici. Il reste à rétablir le courant. De Pedro. Service technique. Ah bah, Pedro, il est mort. Hein. Ça joue la manette Xbox? Non, pas du tout. Quel bol. Je ne savais pas que tu avais des talents d'ingénieur. Hé, hey, qu'est-ce que tu crois? C'est ouvert. Reviens. Ici, nous avons besoin de la carte clé. La carte ou la clé? Choisis. Demande, cargaison spéciale. Erreur 404, non trouvé. Un vivarium. Il semble que notre cargaison spéciale se soit échappée. Ah? C'est ça notre cargaison là? Panne de réseau. Erreur. Les chambres de stockage ont été dépressurisées. Statues, échantillons expérimentaux dispersés dans toute la station. Mission, trouver les OGM et les ramener au vivarium dès que possible. Ah, c'est pas le genre du maïs quoi. Ou le maïs s'est fait la malle. C'est la carte clé pour l'hyper-ascenseur. José Bové désapprouve. Bon bah je retourne à la porte-clé carte. C'est quand il y a du bordel? Regarde, c'est l'un d'eux. Ah c'est ça mon maïs transgénique là? Reviens. S'est suicidé. Bon bah nous on monte hein. Ou pas. C'est vrai que dans Ayudan, la bestiole sur l'épaule de Marissa m'a un peu cassé les oreilles. Hein. Comment tu sais? Message urgent. J'ai deux nouvelles pour toi, une bonne et une mauvaise. La mauvaise nouvelle,
Il y a eu une urgence à la station et une quarantaine a été déclarée au dépôt. La bonne, c'est que tu n'as pas à travailler aujourd'hui. Boupie, ouais. Je t'en foutrais des boupies. Je pense que nous ne sommes pas les bienvenus ici. Données enregistrées. Merveilleux. C'est un cubicle de sauvegarde. Ah, ça y est, ça commence. J'espère qu'il n'y avait personne dans l'ascenseur. Il aime les petites bêtes, Tox? Non, que Aya. Ah! Non, je reviens. Fil rouge ou fil bleu? Ah, mauvais fil apparemment. Cela signifie le rouge. Boum. Ah. Je pense qu'il faut pas que je touche ça. Nous revoilà. Si quelqu'un trouve mon découpeur plasma, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Il peut presque tout couper et j'en ai besoin pour découper ma pizza en 8 parts égales. Ah bah voilà, on est dans Dead Space en fait. Rassembler l'équipement 0 sur 9. C'est rafraîchissant ce petit jeu avec les graphismes en 4K 120 FPS. En tout cas, c'est fluide, hein. Alors, je pense qu'il faut pas sauter dans la piscine en bas, là. Citron vert. C'est quoi, ça? Il s'est barré. Bon, je présume que ça va commencer quand tu auras le découpeur plasma. Et on voit les briques qu'on peut casser au début. C'est juste de l'eau, ouais. Si l'eau elle est comme ça chez toi... Petit problème, hein. Petit problème dans les tuyaux. Pour pousser la boîte. Pourquoi il y a une espèce d'os dessus? Elle est comme ça, la sortie de ta vessie avec les bulles et tout. Il faut voir que ce que tu vois. Hein. Pourquoi tout s'effondre-t-il ici? C'est vrai ça, pourquoi? Moi je voulais la boîte. Je pense que c'est une des pièces. Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Les chargeurs se comportent de manière étrange. Ils se sont cachés dans la salle des moteurs et ensuite, des bruits terribles ont commencé à être entendus de là. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne vais pas vérifier. Les chargeurs? Genre les personnes qui chargent ou les chargeurs, les trucs qu'on met dans les guns? Nous avons besoin d'un équipement spécial pour déplacer les blocs. Pourquoi celui-là j'y arrive? T'as un mytho?
Cache-cache. Ceci est une sorte de cauchemar. Je me promène seul à travers des couloirs sombres. Plus vite je trouverai le piège à animaux et capturerai les OGM échappés, plus vite je pourrai sortir d'ici. Mais apparemment, il a pas trouvé. Alors, je pense qu'il faut pas aller là-dessus. Le voici. Nous avons besoin d'un capteur pour l'attraper. Un capteur. Arrêtez! Ah? Dégage d'ici! Qu'est-ce que c'était? Petite mise en scène sympathique. La station est en quarantaine. Quittez la pièce immédiatement. Autre envie. Capteur plasma. C'est un coupeur plasma. Ne te coupe pas. C'est un captureur d'animaux. Attrapons des OGM. D'accord. Bon, j'ai ce qu'il faut. C'est la bagarre maintenant. Vous avez capturé Chungus. Chungus. C'est peut-être un peu trop tôt pour ça. C'est quoi les prochaines sorties? Me concernant ou de manière générale? Ça m'a l'air mort ça. Attention, il y a eu un incident dangereux dans le laboratoire. L'acide a inondé presque tous les locaux. N'oubliez pas de prendre le jetpack lorsque vous vous y rendez. Ouh, ça change d'ambiance. Avez-vous entendu cela? Quelque chose est ici. Enfin, je suis en sécurité ici. Ah. Il s'est fait becter en 2 secondes. Oula, il est énervé lui, hein. Tiens. Ce sont les chargeurs dont nous avons entendu parler. Ah, c'est ça les chargeurs.
SMT me tente bien. C'est trop bien SMT, mec. Je sais pas si t'en as déjà fait, mais. Le 5 était vraiment très cool, hein. Jamais fait. Alors je te préviens, c'est assez difficile. Mais c'est un régal. Je sous-estime sa puissance. Hier, j'ai brûlé mon costume préféré en testant le fusil à plasma. Ne le dis pas à Vlados. Demain, c'est à son tour de tester l'arme. Je veux voir sa réaction. J'espère qu'il a un costume de rechange. Oui, ça va beaucoup plus vite qu'un Persona, effectivement. Il n'y a pas tout ce qui est confident. Niveau scénaristique, ça va assez vite aussi. Tu passes beaucoup plus de temps, en fait, à vraiment jouer. Ah, que se passe-t-il? À l'aide! Parker, réparer l'un des câbles. Il est tombé et est resté suspendu dessus. Envoyez quelqu'un d'urgence pour l'aider à descendre. Je resterai ici et... Et je mourrai. Ah, ça sent la bagarre, ça. Hein, qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas ça. N'essayez même pas d'aller plus loin. Bah, si, je vais quand même essayer. Elle nous sous-estime. Sortons! Bah, elle nous sous-estime vite fait, hein. Ça fait quoi, ça? Ah, piratage du système. Accepté. En fait, vraiment, SMT, c'est une licence que je préfère à Persona parce que c'est beaucoup plus expéditif. Nous ne pouvons pas être arrêtés si facilement. Bah non, c'est bien vrai, ça. Habitants dangereux. Il y a 19 ennemis différents. Rapport 7. Les premières expériences avec le liquide noir sont encourageantes. Les sujets de test démontrent des capacités étonnantes. Peut-être que le prochain rapport finira dans les livres d'histoire. Je crois que c'est lui qui va finir dans un livre d'histoire. Ok, on a 3 vies en quelque sorte. Ah, et ça, ça recharge. Bon, ça va. C'est pas extrêmement compliqué. Ah! Capturer lui. Il s'est caché. Bon, on présume qu'à gauche ça va se détruire, mais on présume bien ici.
Robot fou. Quelqu'un, s'il vous plaît, réparez ce robot. Il a pris notre employé pour un cargo, et ce n'est pas la première fois. Et l'a envoyé en congé anticipé dans un conteneur. Faut que je me laisse attraper. Ah non, pas tellement en fait. Tu veux te battre, c'est ça? Il est rapide le con. Bien, peut-on le vendre pour la ferraille? Alors il y a un passage par là, et il y en avait un autre ici, non? Pas dit. Il y a un passage en fait, hein. Ouais, quelle que soit la portée, ça explose. Alors, faut pas taper sur ces trucs-là. Hein. Oh zut. Tu vas refaire une run d'Elden Ring, Mikami? Un sale copieur, quoi. Y'a pas un truc que je peux pousser, là, parce que... Non, c'était bon, en fait. Wow. Je vais clipper cette phrase et je la sortirai à l'occasion. C'est un fusil à plasma, trop bonne cible. Ça se recharge tout seul, c'est merveilleux. À peu près quand même, hein. On va pas se mentir. Mikami, il était full mage sur Elden Ring. Alors, ceux-là aussi, on peut les fumer. Il a dit les boss sont trop durs, moi je vais go magie quoi. C'est moins puissant que mon cutter plasma. Hein.
J'ai joué Katana Eclipse comme à l'âge. Mec, je sais même pas de quoi tu parles. Pourquoi ça monte pas là? Faut peut-être que je fasse un jump. Ouais, ça passe ça. Et ça a l'air bien, rien qu'au nom, ce que tu dis, Woody. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu ça. Root. Pourquoi je prends ça au juste là? Sans doute pour monter quelque part. Ah bah là en fait. Font des bruits bizarres. Attends quoi? Avec ton katana éclipse lunaire, tu pouvais tirer des rayons laser avec, c'est quoi ça? On a joué au même jeu, les gars? Le seul katana que je me suis refusé à utiliser, c'était la rivière sanglante. Ça faisait quoi? J'ai tellement de chance. J'ai joint mes coordonnées à ce message. Selon mes calculs, l'équipe de secours sera ici dans quelques jours. Ils me sauveront certainement, n'est-ce pas? Je suis là. Allez, debout, on y va. Il fait pas d'effort pour être sauvé aussi. Du bruit là. Use dash. Ah, je l'ai pas encore le dash. Annonce, le recrutement pour les testeurs du dash pack est ouvert. Oubliez la marche lente sur deux jambes et accédez aux coins les plus secrets et inaccessibles de la station spatiale. Le weapon art de l'arme, tu spammais des attaques et provoquais des saignements complètement abusés. Ah. Effectivement, tel que tu le dis là, ça a l'air bien. Croyez-vous que vous pouvez voler? J'ai réinventé le jetpack. Il utilise du plasma bleu comme carburant et vous permet de glisser au-dessus des dangers. Jetpack ou dashpack? Use dash. Ah. Funken, lui. Mm-hmm. Vous n'êtes pas doué pour prendre soin des fleurs. J'avoue, j'ai appuyé, elles ont été désintégrées. Il doit être là, le dash. Ah non, c'est le jetpack. C'est un jetpack. Volons vers les laboratoires.
Ah, pour planer. D'accord, ça plane. Bonsoir Evenflown, comment ça va? Je sais plus. Ah, mais il y a une carte. Comme un Metroidvania. Il y a un paquet de sauvegardes hein, quand même. Hein. Vers les laboratoires. Les laboratoires, ça va être par là. En tout cas, il y a un coffre là-bas. J'ai pas le nom des zones par contre. Mais je présume qu'il faut aller là-bas. Bon. De toute façon, je peux pas monter avec le jetpack. Mec, t'as platiné le platine du jeu, comment tu as pu oublier cette arme? Bah, tu sais, j'ai des problèmes de mémoire. Mais j'y travaille, hein, je mange du poisson. Je crois que c'est pas par là. Je me suis gouré de chemin. Non, mais faudrait que je le reprenne, Elden Ring. Mais il y a des boss bidons, j'arrive même pas à les passer quoi. Genre ceux qu'on rencontre dans des espèces de... comment dire... Je sais pas, c'est une espèce d'arène en fait. Ça nous téléporte, me semble-t-il. Mes souvenirs sont assez vagues. Oh zut. J'étais où là? Ok. Ça vole la pâtée au thon de sa fille sans scrupule. Quoi? Viens, on fait une run ensemble, je te guéris. Vas-y. C'est moi qui vais te carry, mec. J'ai toujours rêvé d'avoir un mage à mes côtés. Ah oui, j'étais pas allé ici, je crois. Ça me dit rien. Mais non, c'est pas versus Tox. Il est censé m'aider. Il est pas censé me taper dessus, Mona. Toi aussi, là. C'est là, le laboratoire? Bienvenue au laboratoire. Nous vous demandons de respecter les règles. Ne pas distraire les scientifiques pendant leur travail. Ne pas toucher aux OGM sans autorisation. Ne pas prendre d'armes et d'équipements expérimentaux. Bah tiens, on va se gêner. On redémarre de zéro, Mikami, on fait deux hommes nus. Un panier et un gourdin à la base. J'ai une autre expression pour ça, mais oui, un panier et un gourdin. Oh, il a pas l'air bien lui. Prêt, partez! J'ai inventé un nouveau pack de déplacement rapide qui vous permet de vous déplacer rapidement autour de la station. J'ai déjà participé à quelques courses avec mes camarades et nous avons fait même quelques paris sur le gagnant. Il y a peut-être des mineurs, on peut pas utiliser ton expression, mais c'est pour ça que je l'ai pas dit. Mais bon, les mineurs l'utilisent certainement. Hein. Il y a un autre gemme dans l'acide. Normalement, ça aurait dû le capturer. Hein. Attends. Je vais faire un ricochet, il va rien comprendre à ce qui se passe. Ah, mais je pourrais pas aller le chercher. Sous terre, ouais. Sous terre, les mineurs. Ouais.
Cascade acide, quelque chose de nouveau. Il faut un truc pour pousser ces cubes. Il y a des experts en terrasse ici, j'aurais des questions sur les travaux que fait mon proprio. Alors oui, une terrasse c'est en extérieur généralement. Donc tu peux dire à ton proprio que dans le salon c'est pas ouf. Mais bon après, je suis pas tellement expert hein. Un peu sec le gars hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Jump. Van Halen. Plongez, plongez. Nous attraperons tôt ou tard. Ah ouais, il me faut la tenue pour aller dans l'acide, quoi. Ouais, bon, par contre, là, pour traverser, ça va être autre chose. Hein. Non, c'est bon. Ici, je peux pas aller. C'est trop haut. Oh, il est balèze celui-là. Alors, c'est quoi le cadeau? C'est un dashpack. Vous êtes plus rapide que le son maintenant. Ah oui. Et il y a encore 4 joujoux comme ça. Oh là là, doucement. T'énerve pas. C'est sympa parce qu'en fait tu changes souvent d'outil finalement. Oh le pauvre, il est écrasé par les cubes. Catastrophe. L'expérience est hors de contrôle. Ils se sont échappés des capsules. Évitez tout contact avec le liquide noir. Il affecte tout ce qu'il touche. D'accord. Ah. Passage secret. Newton serait fier de nous. Les gens brillants découvrent la gravité. Lorsqu'une pomme leur tombe sur la tête, les gens pratiquent et inventent le pistolet à gravité. Un échantillon expérimental peut être testé en laboratoire. Interesting. Faut que je le trouve. Ça a plus de jus. Mmh. Ouais, d'accord. C'est plein de trous ici.
Alors, droite ou gauche? Droite. Allez, faut se tracer, je pense. Non, même pas. On s'en fiche. Ah ben là, c'est plus des passages secrets, quoi. C'est un vrai gruyère, cette station. Boum. Merde. Je savais plus. Évidemment. Attends, je suis mort où tout à l'heure en fait? C'est un pistolet gravi. Ressentez la puissance de la gravité. Ouais. Ok. Mais encore. Est-ce qu'il faut aller là-haut? Déjà, est-ce qu'il y a un moyen de faire descendre cet ascenseur à droite? Ouais, je trouve l'autre bouton déjà. Here! Yes. Oh fuck. Ça, je peux pas le bouger. Il y a forcément un truc pour monter là. Ouais, ok. Je pense avoir un paquet d'outils là.
Merde. Oh zut. Ah mais c'est bon. Oh je crois que j'étais coincé. Je sais même pas où faut aller en fait là. Si je vais par là, c'est cuit un peu, non? Ça dit quoi? Ça dit qu'en fait c'était plutôt là-haut, mais pour remonter là, c'est un peu coton. Non, par là en fait. Sauf que, bah, en fait, il y a rien là-haut. Il y a l'air de rien avoir. Ouais, il y a que dalle, hein. C'est quoi ça? Y'a un truc qui me tape là, au secours! C'est quoi ça? Il était invisible! Bon, de toute façon, je peux pas aller là-bas. Peut-être si je tire un bloc avec moi, mais je sens que je vais me bloquer moi. Oui, ce bloc là, ça me paraît bien. Si j'arrive à le pousser, ou celui-ci. Attends, comment on fait en fait? Ah ah! Ok, on est revenu au truc de gravité. Pas d'acide ici. Ici j'étais pas allé. C'était sûr. Ah zut. Ça va, j'ai compris, je vais par ici ou pas. Bon, de toute façon, ah, je peux pas descendre carrément, ok. C'est bloqué l'ascenseur, il faut que j'appuie sur le bouton.
Quel est l'intérêt d'amener l'ascenseur ici? Ah, c'était pour ça, pour descendre. D'accord. C'est bien complexe tout ça. Ouais, fallait peut-être aller à gauche là. Hein. Ça va. Convaincu de pouvoir aller très loin là en fait. Qu'est-ce que j'ai à dispo? C'est juste ça. Après, il y a une sauvegarde, je peux déjà voir jusqu'où je vais. Ah d'accord, je peux carrément aller sur ces billes, je pensais que c'était dégueu. C'est bon en fait. J'ai failli tout éclater. Ah. Je m'attendais à ce que ça remonte, bah non en fait. Bête. Bonjour chérie, il semble que je sois coincé ici pour longtemps, mais l'essentiel est de ne pas désespérer, n'est-ce pas? Rire améliore l'humeur, alors je vais essayer de plaisanter. Savez-vous pourquoi les astronautes sont si heureux en apesanteur? Parce que nous n'avons pas besoin de suivre un régime pour perdre du poids. C'est rigolo. Pas déjà allé ici? Bah si, en fait je reviens. Mais c'est peut-être la chose à faire. Faut sortir du labo quoi. Maintenant que j'ai plein d'outils. Comment ça se présente ici? Il me semblait qu'il n'y avait pas vraiment d'ordre pour l'exploration des zones, mais là on voit bien que si on n'a pas les outils, on n'avance pas. Hein.
Donc évidemment, on pourra pas réellement avancer si on récupère pas les choses dans l'ordre. Histoire sombre, des rapports de collecte. Et l'arsenal 6 sur 9. Salut Nanatoru, comment ça va? Et une seule bestiole sur combien? 12, semblerait-il. Très bien, nous, on va s'arrêter là pour cette petite découverte, mesdames et messieurs. Donc Geno Panic, hein, un petit Metroidvania, somme toute sympathique, qui vient pas boxer évidemment avec les plus grands, hein, c'est pas un poids lourd. Et c'est disponible le 17, demain ou aujourd'hui selon quand vous regarderez cette vidéo, pour 20 euros, toutes plateformes confondues. Et pour rappel, c'est développé par Mobirate. Pour ceux qui sont avec moi, quittez pas, on va passer sur DotHack. Pour les autres, merci d'avoir suivi cette découverte avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce sur la vidéo, voire à vous abonner à la chaîne, pardon. Si les vidéos qui sont dessus vous plaisent, évidemment, on se retrouve pour d'autres titres très rapidement. Allez, ciao, bye bye.